sembravi te però da lontano. Bonjour, je m'appelle Marco Bellucci, j'habite à Florence, mais je travaille en Sardaigne. Il y a 4 ans, j'ai une activité de guide de pêche avec un ami qui s'appelle Lapo pour les black bass et les brochets. Il y a un an, nous avons pris une exclusive pour la pêche au bar dans la lagune de Mistras, qui est située à l'ouest de la Sardaigne. Quand je ne suis pas en Sardaigne, j'ai aussi une activité de guide de pêche en Patagonie pour la pêche à la truite, avec la mouche et avec les spinning. En Sardaigne, il y a la possibilité de pêcher plusieurs lacs pour les black bass. Et il y a des lacs où il y a une quantité de black bass, mais de taille plus petite. Et d'autres lacs plus difficiles à pêcher, mais avec des grands black bass. Des black bass de 60 cm. Wow. Pour pêcher les brochets, il y a seulement un lac, mais c'est fantastique. Il y a des brochets italiques. Ce n'est pas une taille énorme, mais très intéressant. Et surtout avec des couleurs fantastiques. Pour pêcher les barres, nous avons la lagune de Mistras, où il y a des poissons qui sont naturels, c'est-à-dire qu'ils entrent de la mer et ils restent ici toute l'année. Nous avons pêché avec Johan dans cette période où il n'y a pas la possibilité de faire beaucoup de poissons, mais on fait surtout des poissons grands. Mais si vous venez pendant l'été, il y a l'occasion de faire aussi les numéros des poissons parce qu'ils sont beaucoup plus actifs, surtout sur la surface de l'eau. Et donc c'est plus amusant pour pêcher tous les jours. Et le temps, il est normalement merveilleux. Et la Laguna de Mistras, c'est une oasis naturelle. Et il y a aussi la possibilité de voir beaucoup d'oiseaux. Pour venir à pêcher en Sardaigne, vous pouvez tranquillement utiliser les ferries ou l'avion. Et je peux vous venir récupérer à l'aéroport et conduire sur les différents lieux de pêche. Si vous êtes intéressé pour pêcher en Sardaigne ou en Patagonie, vous pouvez me contacter sur sardiniafishingpredator.com et je vous attends. Merci pour l'attention et maintenant nous allons pêcher un garambar. Allez, go! Yeah. Tu as vu? On n'était pas prêts. Okay. Non, t'es petit. Et abre la bouche. Voilà. Super. Le premier, the first one. Okay. Tu veux faire avec les GoPro? Non, c'est bon, tu peux le relâcher comme ça. Super. Super ça. Oh les petites, hein, c'est terrible. L'enfant petit. Terrible. Bien joué. Yes. L'enfant terrible. Regarde l'eau en ce moment. Il y a des places où il y a l'eau qui est très claire. Ici, ce n'est pas clair. Ils sont les oiseaux, les flamants roses qui font
Oui, qui mangent dans la, au bord de la lagune. Okay. Et le vent, il porte les, la terre. Aujourd'hui, nous sommes à essayer de prendre des barres. Nous sommes dans la lagune de Mistras, qui se trouve à l'ouest de la Sardaigne, près du village de Cabras. La lagune, c'est 400 hectares d'eau salée. Et il y a le niveau moyen de l'eau, c'est de 80 jusqu'à 100 cm. Nous allons utiliser de l'air qui pêche pas très fond, et, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'herbes. Et ce sont des imitations des petits poissons, des mulets. Moi, je suis content qu'il y ait une fabrique de l'air, des soft bait en Europe. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant de connaître, parce que nous sommes, je pense qu'il y a déjà 8 mois, oui. Que nous, oui. Nous, au moins 8 mois. Que nous nous faisons des téléphoner. Mais toutes les fois, quelque chose arrive et c'est impossible d'organiser pour la pêche. Maintenant, nous sommes ici ensemble. Je suis content. Et ça a été difficile, hein, entre le bateau. Ah oui, hier soir, quand on m'a téléphoné, j'ai dit non, bah, c'est incroyable. J'ai téléphoné à ma femme et je lui ai raconté la chose et elle m'a dit mais vraiment? Oui, j'ai dit vraiment. Il y a les bateaux qui ne marchent pas aujourd'hui. Incroyable. Et finalement, on a réussi à faire quelque chose. Et là-bas, il y a des îles qui semblent les Maldives. Oui, oui, c'est vrai. C'est pendant l'été, dans les mois de août, de juillet, quand il y a le soleil qu'il est fort, il devient blanc. Et ça pêche bien aussi l'été? Oui, oui. J'ai commencé à pêcher les premières fois dans les mois de août. Et je suis venu et j'ai dit bon. On verra. Peut-être, mais dans le mois d'août, il faisait très très chaud. Mais au contraire, on a pris beaucoup de poissons. Okay. Et l'hiver, là c'est... L'hiver, c'est plus difficile pour la quantité, parce que les petites, ils sont plus difficiles à trouver. Okay. En été, quand tu trouves les petites, tu peux prendre 10 barres tout ensemble. Okay. Ils continuent à manger. Tu prends un et ils mangent encore et tout continue. Mais dans les mois plus froids, tu prends les grands. Oui. Tu prends 5, 6, 7 poissons par jour. Mais ils sont des poissons plus intéressants. Et c'est des poissons qui font quelle taille? La taille? Tu peux prendre des poissons de 80-90 cm. Wow. Moi, j'ai pris les plus grands, ils étaient 4. Oh! Non! Ah, si! Oh! Des fois, et là. En direct, oui. Allez, viens là. Voilà. Yes. Ça. Parfait. Ah, super. Il a mangé deux fois. Oui. La première, il n'a pas pris l'air. Puis il a regardé bien, il a vu qu'il était bon. Et normalement, en cette période, on prend les grands. J'ai pris deux petites. Non, hein. Ah, oui, ok. Ah, je dis non, tu dois aller. Perfetto. Ah, oui, 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 oui. Bon. Ah, l'action, elle est magnifique. C'est... Avec les deux fois, oh, raté. Non. Ah, yes. Super. Bien, mais on le fait une autre fois, d'accord? Avec un grand. Et du coup, le leurre que tu utilises, il s'appelle le DigiLine.
Digiline. Digiline, oui. Surface ou subsurface, tu peux utiliser tranquillement des hameçons normales. Je préfère les Texas parce que quand les barres mangent, ils mangent bien, ouais. Toujours. Il n'a pas de problème de s'il veut manger, hein, parce que quelquefois il ne mange pas. Il suivit la. C'est grand, hein, c'est grand. Oui, c'est bon. Oui, oh. Elle a suivi, j'ai senti, elle a touché légèrement. Oh, il est beau celui-là. Ah, voilà. Non, pas très grand, mais plus grand. Oui. La taille commence à être intéressante. Ah! Hey. Le chef français il a bien produit ses plats. C'est connu la France pour la gastronomie. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis que le chef il a bien fait son plat. Plus grand celui-là, un petit peu. Mais c'est intéressant surtout qu'il a tous les dés, ils l'ont mangé deux fois. Ouais, ouais, ouais. Cette poisson-ci, il a fait la même chose. Ouais. Il a touché l'air et après il a mangé. Si. Ouais. Non. Il est parti avant tout, oui. Le monde celui-là. Il a vu l'eau. Il a fait ta. Je crois. J'ai réussi à l'avoir. Ça sera dans le best-of ça. Ok, je vais prendre un autre. Yes. Ah, quand le guide y pêche. On a bien commencé. Hein. On est pas mal, Pas mal. C'est tôt. Il y a beaucoup encore. Il reste beaucoup à pêcher encore. On va s'ennuyer après à force de faire prendre poisson. Voilà. C'est ça, exactement. Les black bass. Non, les grilles, l'autre, les leurres que tu as utilisé, oui. Non, quella era grossa. Merda. Oh. No, quella era bella. Porca miseria. J'ai perdu le bar. Oui. Malheureusement, il n'a pas bien mangé, réellement. Mais il était un poisson intéressant, mais je l'ai perdu tout de suite. Sont 5 secondes fantastiques, mais seulement 5. Ça va, musique. Musique. Oh, beau poisson, beau poisson. Oui, c'est beau poisson. Regarde, elle fait toc toc. Yeah. Oh. C'est spigola. Beau secteur ça, deux belles touches. Ouais. Elle est grande vraiment. Ouh. Oh! Yes! Oh, hey. Ah, super.
Bien joué ça. Oh, questa comincia a essere bella. Sì. E comincia a essere intéressant. Oh, le chef, il a vraiment préparé un bon repas. Le DigiLine, il te plaît, hein? Bon. Et les couleurs, c'est parfait. Pour ici. Ah, oh, fantastique. Et il marche bien parce qu'il fait des wobbling fantastiques. Ok. Ok. Tu peux le laisser? Ouais, tu peux le laisser. Allez, mon petit copain. Cool. Yes, ça. Ça, Marco. Encore une fois. Putain. DJ Line. Alors? Alors, nous avons testé très bien les leurres que vous voyez et il a été vraiment terrible. Il a un mouvement qui est fantastique parce qu'il fait beaucoup de wobbling. Et donc pour les barres, c'est intéressant. et les couleurs, c'est parfait pour pêcher dans les lagunes, les verts et aussi les gris. C'est intéressant. C'est les couleurs parfaites et les blancs au-dessus. Ok. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tout de suite intéressant. Et c'est démontré intéressant à la fin. Parce qu'il a vraiment pris déjà 4 barres. Et les débats sont grands. Et les grands, ils sont difficiles à prendre. Ils veulent manger des choses intéressantes, des bonnes choses. Merci de la Lande pour les cadeaux. C'est ça. Ah, super. D'un gros? Un gros animal. Alors. Donc, ouais, donc du coup, ouais, c'est selon la saison, mais ça peut faire comme en mer, quoi. Il y a des moments où ils sont vraiment tous groupés et des moments où ils sont. Oui, ils sont... exactement. Okay. Moins... C'est difficile. Et plus profond, les arbres, tout à l'heure. C'est très beau. C'est vraiment très très joli. Il était un peu grand. Oui, un peu plus grand. Pour faire les plus grands. Tu sais que les poissons sont comme les hommes. Mmh. Ils aiment manger les choses, ils aiment manger beaucoup. Surtout quand tu vas prendre un bar de 80 cm. C'est difficile qu'ils perdent du temps pour manger une poisson petite comme ça. C'est pour ça que tu... Normalement, il va manger, il va chercher des choses comme ça. Ça, c'est mieux. Ah oui. C'est juste, c'est-à-dire qu'il y a les petites et les grands. Et ça, c'est la chose la plus importante, parce qu'il y a les poissons pour apprendre maintenant, c'est-à-dire les grands, et les poissons pour apprendre demain. Et non, mais pour les tailles des leurres, tu prends plutôt du 9 cm, 10 cm. Moi, je préfère 12 cm. 12 cm, oui. Et 14 aussi, hein. Ce n'est pas très très grand. D'accord. Tu dois penser que les poissons que tu veux chercher, si tu veux chercher des poissons grands, il faut utiliser de l'air grand. D'accord, il n'y a pas de... C'est vrai, hein, ça. Ouais. C'est vrai aussi que quelquefois, tu peux prendre un gros poisson avec un petit leurre, mais c'est difficile. Normalement, j'ai pris toujours avec des grands leurres. D'accord, ok. Des choses à manger pour les bars. Ah oui? Et donc, c'est. Quelquefois, ils mangent seulement parce que tu as. L'air passe voisin. Ok. Ils n'ont pas besoin de manger. Oui, manger, c'est juste. C'est juste que ça les embête.
C'est toujours difficile de prendre des gros bars. Ça, c'est normal, c'est juste. Mais pendant l'été, tu as plus possibilité de prendre les petites. Ouais. Comme je t'ai dit, quand tu trouves un groupe de petites, oh, c'est une fête. C'est tes clients qui doivent être contents là. Comment ? Les clients sont contents du coup. Oui.